Réunion de famille, on vient célébrer le barbecue gris. Célébrer réunion de famille, on vient célébrer, célébrer. Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero et je suis avec Sancho de Cuba, que le Sancho pour la salsa. Yes, sir. On est là pour un autre unboxing, celui de là. Attends, tu as dit unboxing? Oui, t'as compris, Sancho. Mais pas de la Romero Box. Bien joué! Effectivement, pas la Romero Box. Cabron. C'est en fait un nouveau giveaway en collaboration principalement avec Geek Canada. Je vous invite à rejoindre leur page sur Facebook, un groupe geek, que vous soyez otaku, que vous soyez geek, que vous soyez Marvel, DC. Peu importe, vous serez bien accueillis. Vous trouverez votre place en réalité. Et les After Dark, c'est juste hallucinant. Un giveaway qui m'ont approché pour que je puisse faire une genre de Romero Box pour leur groupe. Donc, va falloir être souscrit à leur page et évidemment à Romero Box aussi pour que vous puissiez remporter ces prix-là. Donc, on a aussi des collaborateurs qui sont Planète Otaku sur la place de Saint-Hubert à Montréal et Dolora Print qui nous offre un t-shirt pour la box. Donc, ne tardons plus, on procède à l'unboxing. Est-ce que j'en ai déjà fait avec toi, Sancho? Non, jamais, je pense que c'est la première fois. Alors, on va s'amuser. D'accord, donc, on commence avec un premier article. Un produit Funko, c'est une mopise de la série Futurama. Sancho, et ça compte pas, toi, tu peux les voir. Ben là... Effectivement. De Futurama, c'est Fry, voilà. Donc, ceux qui connaissent le show vont vraiment l'apprécier. Voilà. Et deuxième article. Un autre produit Funko, c'est un autre mopise de Marvel cette fois-ci. Oui, Sancho. Black Panther. Avec le film qui s'en vient, c'est en fait un. Un excellent article, j'ai vraiment hâte de le voir, le teaser est sorti il n'y a pas longtemps. Aïe! Donc, nous continuons, on va s'éloigner un peu des produits Funko pour un... Une figurine de Overwatch, on parle de Tracer, les mobs... Sancho, c'est moi qui présente les articles. Oui, un article Overwatch, c'est le Electric Purple Tracer, exclusif à la Loot Gaming de Blizzard Entertainment. Donc, très belle petite figurine que j'ai longtemps hésité à garder. Mais non, on va la faire gagner. Ensuite, nous continuons avec un... Bon, on va revenir au produit Funko. Un d'or de World of Warcraft. On parle du roi Lanet Ruin. Oui, exactement ça. Je connais mon affaire, cabron. Donc, gracieuseté de Planète Otaku. Et à continuité... Jamais un sans deux. Un autre d'or, cette fois-ci de Marvel, on parle d'Iron Man. Oui, avec le masque relevé. Donc, oui, exclusif à la Marvel Collector's Corp. Voilà. Donc, on continue avec un autre produit Funko. Un ensemble de salières et poivrières de la DC. Exactement ça, Pop Home. Exclusif à la Legion of Collectors, à l'effigie de Batman et Robin. Donc voilà, quand on est geek, on l'est jusque dans la maison. Voilà. Parfait. On va rajouter les ingrédients d'un de nos collaborateurs, le principal collaborateur en fait. Planète Otaku, un petit macaron et une petite carte pour ceux qui voudraient aller le visiter. Ensuite, en continuité... Merde, je t'ai eu, hein? Cabron! Un petit pins de Captain America, de First Avenger, un pins de Hydra, donc de FX Collectibles, exclusive à la Loot Crate. Donc, toujours scellé. Voilà. Et demeurons dans les pins de Team Fortress 2, exclusif à la Loot Crate. 4 pins que ceux qui jouent, en fait, sauront reconnaître.
Voilà, j'inclus ça là-dedans. Sur nos deux marrons américaines, j'en mets 203, un Pop Pins de DC à l'effigie de Harley Quinn. Et nous préparons pour l'hiver. On revient à Warcraft, une tuque avec un lion dessus. Ceux qui jouent sauront reconnaître. Donc voilà, toujours emballé. Et pour les gamers à l'ordinateur, un tapis de souris Prey obtenu dans une loot crate aussi. Voilà. Et finalement, la pièce maîtresse. Vous l'aurez deviné si vous suivez les unboxings, les giveaways que je fais. Une Funko Pop de DC. On parle de Golden Age Batman Specialty Series exclusive. Il ne reste plus qu'à vous montrer le t-shirt. Malheureusement, je peux pas vous le montrer. Pourquoi, Sancho? Parce que le t-shirt n'a pas encore été imprimé, cabron. Oui, on l'a pas encore imprimé. Et on l'a pas encore imprimé car on ne connaît pas la taille de celui qui va le gagner. Donc pour l'instant, je peux rien vous montrer. Mais il y a un t-shirt de plus qu'on met dans la boîte. Et voilà. Donc je vous montre de quoi elle a l'air. Sans le t-shirt, évidemment. Bien rempli. Voilà. Donc il y en aura une autre plus tard dans l'année, plus orienté au taku. Celle-ci est la première box qu'on donne. Tout ce qu'on vous demande de mon côté, c'est que vous soyez membre du groupe Geek Canada et Romero Box. Les étapes à suivre pour remporter les articles, ça sera sur Geek Canada. Il faudra donc être membre de ce groupe-là et suivre les notifications afin d'être averti. Donc, voilà ce qui est pour moi. Je vous souhaite à tous bonne chance. Et si vous avez aimé ce que vous avez vu, souscrivez-vous à la page YouTube. Lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et partagez la vidéo pour avoir plus de participants. Et comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Adios! Moi, je dis ciao, Sancho. Il m'en fout, moi!